Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une vidéo défi de qui? De Sylvie Colletot partout. Voilà. Je sens que cette vidéo va être catastrophique. Oui, je le sens d'avance. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Bref, on va y arriver. Donc, j'ai déjà préparé d'avance. Un matage noir, un fond coloré. Voilà, coloré avec des magicals. J'ai pris dans la petite boîte que j'ai sur mon étagère là-haut. J'ai plein de fonds. En fait, quand il me reste des chutes de papier pas assez grandes pour faire une carte, ben, je les taille. Je les taille en format ATC et je les garde de côté. Et je pense pas forcément à les piocher dedans. Et ben là, j'y ai pioché. J'y ai pensé pour cet ATC-là. Voilà, donc ce sera dans les tons un petit peu rose, il y a un peu de jaune et puis il reste un peu de blanc. Voilà, je trouvais ça sympa pour le thème demandé. Oui, parce que son ATC, peut-être que je fasse les choses dans l'ordre. Son ATC, son défi, c'est de faire une ATC au niveau du thème, c'est Bonnie, du moins Bonnie, sa chienne qui a 10 ans ce mois-ci. Et c'est tout. Donc soit fallait mettre son prénom, soit fallait mettre son âge, soit fallait mettre un chien. Bref, voilà. Donc voilà. Voilà. Je vous laisserai la vidéo. J'essaierai, si j'oublie pas, de vous mettre en barre d'infos le lien de sa vidéo du défi. Voilà. J'ai tamponné petit chien sur cette planche. Voilà. Je me suis dit que Bonnie pourrait être une petite chienne un petit peu déjantée comme sa maîtresse. Donc j'ai pris ce chien-là. Voilà. J'ai pris ce chien-là, je le trouve trop rigolo, trop mimi. J'avais hésité avec celui-ci. Les autres, je pense pas que ça puisse lui ressembler, donc au niveau du style. Hein. Après, je l'ai pas vu en grand, en vrai. Ça, je l'ai vu en photo, mais pas entièrement, quoi. Bref. Donc je me suis imaginé dans ma tête. J'aurais plus dit elle, toi lui, mais en toi, mais ce chien quoi, mais en plus grand. Je sais pas. Bon, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, puis il me fait rire avec sa langue qui ressort, ses yeux un petit peu qui partent dans tous les sens. Oh là, voilà. Oh là, je perds ce que j'ai préparé. J'ai découpé son prénom avec deux deuils, tout simplement. Voilà. Et voilà, petite Bonnie. J'ai découpé également une petite patte de chien comme ceci. Je trouvais ça mignon. Alors j'ai un Dalmatien, mais alors ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pour le chien, je sais pas. Pour moi, il va pas du tout. Bref. Et en plus, j'ai pris cette petite planche là, petite planche de chez Toga, celle-ci, pour le petit tos. Ouais, je pense que je vais me servir du petit tos. J'allais dire peut-être le Wharf, mais non. Bref, je pense pas. Donc, si je m'active un petit peu, sinon on en a pour 3 jours, en espérant, alors que j'ai presque tout préparé, encore une fois. De toute façon, quand je prépare beaucoup de choses en amont, eh ben, au final, on y passe 3 heures quand même. Donc voilà. Quoi que n'empêche, heureusement que je prépare dans ces cas-là, parce que sinon, imaginez la cata. Je précolle. Ouais, je colle. Je précolle pas, je colle ma base sur mon fond, du moins mon fond sur ma base. Faut que j'arrête de les confondre ces deux-là. Je suis toujours en train de dire l'inverse. Bref, vous m'aurez comprise. Oupo, alors, je fais des bêtises. Déjà, ça commence mal. Si je colle n'importe comment. Hop, hop. Et voilà. Là. Voilà. Bah, vu que c'est une fifi, j'ai voulu mettre du rose, moi. Hop. Donc, on va s'amuser à colorier ça. Je sais pas si je vais le colorier. Bon, si, je vais le colorier avec vous. Si, sinon, je vois plus trop d'intérêt de faire la vidéo. Si. Si c'est juste pour faire du collage, c'est pas drôle. Là, vous allez vous moquer un petit peu de moi. Le coloriage, un petit peu à l'arrache. Hein. Pour ça, je vais me servir des crayons de couleur aquarelle de chez Action, n'est-ce pas? J'ai envie de faire dodo.
Je vais essayer de prendre un dans les tons gris et un dans les tons. Oh, quoique. Non, je vais prendre que le noir. Allez. Sa chaîne est noire, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre dans les tons noirs. Alors, je veux pas un noir trop prononcé, bien qu'elle soit. Qu'elle ait le pelage bien noir, je pense, à ce que j'en ai vu. Mais le problème, c'est que si je fais du bien noir, ben, en fait, on verra pas le reste des traits, des différentes lignes de mon tampon. Donc, c'est pour ça que je ne le veux pas trop prononcer ici, en tout cas. Donc, je vais juste vous rapprocher un petit peu. Voilà, je pense que ce sera plus sympa pour vous. Hop là. Pardon. Oh, je suis épuisée. Je vais venir directement prélever la couleur sur mon pinceau. Voilà, je trempe. Bon, vous ne voyez pas, mais il y a de l'eau là. Donc, je trempe mon pinceau dans l'eau. Et je viens prélever la couleur sur mon crayon. J'ai dit sur mon pinceau. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit. Hop, voilà, tout simplement. Et je vais venir colorier. Du moins, peindre, vu que c'est avec un pinceau. Colorier, peindre, bref, ce que vous voulez. Mon petit chien. Je trouve que c'est super sympa cette technique-là pour colorier. On voit pas du tout des marques. Est-ce que même s'ils sont aquarellables, des fois on peut voir les marques. Si on appuie un petit peu trop en apposant le crayon sur le dessin pour mettre de la couleur, on arrive quand même à avoir des marques des fois. Alors que comme ça, bah non. C'est comme si on allait piocher de l'aquarelle, hein, tout simplement. Donc voilà, j'aime beaucoup ce principe. Bon, je suis en train de faire attention, mais si je déborde, c'est pas très dramatique, vu qu'après, je vais venir la découper bien autour. On va reprendre un tout petit peu d'eau. Hop. Voilà. Parce que là, je vois que c'est plus clair. Hop là, voilà. Hop, alors ici, on va faire autour là, ici aussi. Est-ce que je la fais entièrement avec vous là? Je sais pas. Vous aurez compris le principe. Ouais, vous aurez compris le principe. Je vais mettre pause le temps de finir de colorier parce que je mets quand même du temps. Ben, j'y vais tranquillou. Je vais mettre pause, puis je vous reprends pour faire peut-être le collier, la langue, le nez, la truffe, le museau. Bref, vous aurez compris, la truffe. À tout de suite. Alors, j'en suis là. J'en suis là, j'en suis là. Hop, là, je vais prendre un petit peu plus de noir foncé pour venir faire le petit nez du petit chien, n'est-ce pas? Question qui ressorte plus que le reste. Sauf que là, ça ressort pas assez. On y est presque. Ouais. Hop. Il ressort vraiment beaucoup plus. Et juste en jouant avec le dosage d'encre que je prends sur ma mine. Voilà. Donc là, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais vous remonter un petit peu parce que. Oups là. J'ai oublié que vous êtes en mode zoom. Donc bon. Hop. Donc maintenant, je vais prendre un petit rouge. Ici. Non, pas ici. Ici. On veut le rouge raide. Donc le 102. C'est celui-là. Hop, je remets de l'eau. Hop là. On vient chercher de l'eau, on vient chercher de la matière. Et on va venir faire la langue de ce petit chien. En plus, la langue, elle est en forme de cœur. Comment vous dire, il est trop mignon ce tampon, j'adore. Voilà. Je l'adore, je l'adore. Bon, je veux pas un rouge trop prononcé, hein, parce que logiquement, une langue, c'est un petit peu plus rosé, on va dire. Mais je savais qu'en prenant un rose. Ça aurait été beaucoup trop clair avec avec l'eau. C'est pour ça que je suis partie direct sur un rouge. Vous voyez? Hop, désolé, je fais de l'ombre, mais bon. Je fais comme je peux, n'est-ce pas? Hop. Et encore, vous avez de la chance, j'ai ouvert mes volets. Parce que de base, je voulais laisser en V, vu la chaleur. Mais bon, je me suis dit, allez, chez vous, on verra un petit peu plus clair. Peut-être pas abuser non plus.
Donc voilà. Quelle couleur je vais faire son collier? On va le faire orange. On va le faire orange. Il me reste de l'eau là. Ouais. On va le faire orange. Et on va faire la petite. Alors le collier orangé. Hop là. C'est vraiment discret, hein. C'est vraiment léger, mais question de dire quand même. Hop. Et la petite médaille, on va la faire jaune. Voilà. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire, que je fais logiquement quand je mets de l'eau sur mes mines, c'est que je viens, hop, passer ma mine comme ça. Vous voyez, ça fait... Normalement, ça fait pas ça quand vous mettez pas d'eau, hein, c'est tout sec. Mais voilà, ça enlève, on va dire, l'eau qu'il y a sur la mine. Ça évite de ramollir la mine. Bref. Je l'ai pas fait avec le noir. En même temps, je ne l'ai pas encore rangé le noir, donc ça va. Mais bon. Donc, je viens chercher ma couleur. J'ai l'impression que j'ai pas d'eau là. Hop là. C'est mieux. Effectivement, je ne devais pas avoir assez d'eau sur mon pinceau. Hop, voilà, sur la petite médaille. Et puis les yeux, bon, on va les laisser comme ça, hein, tout simplement. Je nettoie mon pinceau. Hop, je prends et je le nettoie aussi. Ma mine, comme ça, impeccable, elle est sèche. Je peux la ranger. Hop! Donc, on en a fini avec la colorisation, le coloriage. Ouais, je sais que colorisation, ça se dit pas, machin. En même temps, j'ai regardé sur Internet. Ça se dit pas. Donc, bon. Je vous dirais, hein. Tant qu'on se comprend, c'est le principal. Et c'est vrai que je suis toujours en train de me reprendre quand je dis colorisation. Je dis non, coloriage. Donc, je vais mettre pause le temps de découper ce petit chien. Parce que oui, je vais pas le découper avec vous. Hein. On va pas perdre 5-10 minutes non plus. Bon, peut-être pas 10 minutes, mais bon. Je l'aime beaucoup. Sylvie, est-ce que il ressemble à Bonnie un petit peu en forme déjantée et tout? Ouais. Ça, c'est le chien qui vient de jouer, qui est fatigué, qu'on peut plus là. Ouais, il vient de jouer avec sa maîtresse, et puis voilà. Bref, j'aime beaucoup. Bon, je l'ai pas fait, voilà, encore une fois, j'ai pas fait trop noir par rapport au nez, hein. On voit bien la différence du noir. Mais c'est juste pour pas. Bah, pour qu'on évite de cacher tous les traits du chien, en fait, quoi. Ça aurait été trop noir, on aurait tout caché, on n'aurait plus rien vu devant les détails. Ça aurait été dommage. En tout cas, moi, j'aime bien comment je l'ai colorié. Voilà, je suis pas une pro du coloriage. Mais j'aime beaucoup. Bref, je détourne, je reviens tout de suite. D'abord, si j'arrive à attraper mes ciseaux. Hop, à tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé, détouré mon petit chien. Allez, je trouve trop rigolo. Je trouve trop rigolo, j'aime beaucoup. Donc, on va le mettre bon, sûrement centré. Hein. Voilà. Je viens de découper vite fait la lettre. On s'en fiche de la lettre, mais c'est une lettre de Scrabble. Voilà. Qui vaut 10 points. Donc, juste pour pouvoir récupérer le 10 en chassant, en sachant, pardon, que le 0 est séparé en 2. Donc, je vais pour l'instant. Oula, vous voyez? Alors, attendez. Hop, hop. J'allais dire, pour l'instant, je l'ai laissé dedans parce que j'ai pas envie de les perdre. Parce que c'est tout petit, minuscule. Je voulais le chiffre 10, mais j'ai d'autres chiffres, mais qui sont trop gros. Plutôt trop gros pour ce que je veux faire. Je voulais vraiment quelque chose de léger, discret. Donc, pardon. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà. Donc. Si on met notre petit chien ici, on va mettre son prénom au-dessus, je pense. Ouais. Alors, attendez, parce que ça fait des grosses lettres. C'est pareil, j'aurais préféré des lettres un peu plus petites. Ça aurait été peut-être plus joli. Ouais, c'est un peu gros cette histoire. Je reviens. Hop. J'ai repris les mêmes lettres de Scrabble là, pour lesquelles j'ai pris le petit chiffre. Sauf que là, j'ai pris carrément les. Vous voyez la différence? Voilà, j'ai pris les lettres. Voilà. Donc. Oula, il va me manquer un bout. Ah non, il est là. Oh, j'ai eu peur. Donc, encore une fois, pareil que le 0.
Le O est séparé en deux, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Et le B, c'est pareil, vous voyez, c'est séparé. Il y a une barre qui fait ben, la barre du B, hein, et une barre qui fait le 3 à l'envers. Il est à l'endroit quand mal endroit, mais il est à l'envers quand je vous le montre. Enfin bon, bref. Donc je vais enlever ça. Parce que du coup, ils sont restés accrochés là. Hop, je pose ça là pour pas le perdre. Hop, et hop. Donc du coup, j'aurais peut-être dû les mettre directement là au lieu de m'embêter à les poser là-bas pour les reposer après. Ouais, je préfère cette grosseur de lettres. C'est plus fin, c'est plus léger, c'est plus doux. Ah, par contre, de là, je vois pas si c'est sur l'endroit ou à l'envers. Donc, voyez doucement. Allez, viens à toi. Ah oui, c'est beaucoup plus sympathique, n'est-ce pas? Là, ça faisait vraiment trop gros. Donc, du coup, je vais mettre de côté. Hop. Là-haut, là-haut. Je pense que je vais les coller là. La petite patoune de pas de la petite patoune de pat, la petite patoune de chien. Est-ce que je la mets ou pas? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Le petit 10, peut-être le mettre ici, dans l'angle. Voilà, question de dire, il y aura le 10 de ses 10 ans. Bon, je vais déjà coller ça hors vidéo parce que je sens que je vais galérer à les coller, n'est-ce pas? Pour ça, il va me falloir ça. Et je pense que je vais prendre un petit crayon comme ça. Ça sera très bien pour les petites lettres là. Et puis, ben, je vous reprends et dans 2 secondes, quoi. Ouh là là, très longue vidéo, Marie. Je vous ai reprise, repris. Bref, pour vous faire voir à quel point c'est délicat de mettre le petit 1 et le 0 qui est en deux parties là. Tellement c'est petit, 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 c'est minuscule. Vous voyez? C'est tout petit, minuscule. Donc je prends, hop, je tiens, je mets ma petite colle dessus. Bon là ça va parce que j'en ai collé plusieurs choses. Hein, donc je prends on va dire que je prends le pli. Mais voilà, avec mon picot, je viens choper là où il y a de la colle, le mettre devant l'autre, et hop. Et là, il faut que je rajoute un petit peu, sinon on dirait pas un 10, n'est-ce pas? Hop, 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 voilà. Voilà, comme quoi c'est super délicat. Bref, hop. La lettre, on la met là pour l'instant aussi pour ne pas la perdre. Donc elle, je l'ai pas encore collée. Voilà, on va venir ici. Ouais, j'ai pas envie de ma j'aurais pu marquer à main levée 10 ans à NS, mais non, j'ai envie de le laisser comme ça. On a le prénom, on a le chien, on a l'âge. Je trouve que c'est pas mal. J'espère que j'aurai bon dans le défi. Quoi qu'il en soit, ça me plaît beaucoup. Donc là, je prends ma petite planche de chez Toga et donc mon petit tosse, n'est-ce pas? Hop, ma VersaFine, un petit pot d'encre. Et je vais venir faire un fond. Pour faire un fond. Ouais, du tamponnage de fond avec mon petit tosse, quoi. Donc, en sachant que elle, hop, je la décale un petit peu par là. Ouais, au lieu d'être centrée, elle va être un petit peu plus par ici. Oui, j'aime bien. Donc mon os, c'est parti. Hop, et on va faire des petits os dans le fond. Parce que j'ai envie de décorer avec des os. Voilà. Paf, paf, paf. Là. Mettre comme ça. Voilà. On va mettre un comme ça. Un petit bout qui repasse par là. Là. Ce côté aussi, éventuellement. Hop, un petit bout qui descend là. Voilà. Et je mets de l'encre partout. Et est-ce que je m'arrête là où j'en mets un derrière le chien?
Non, je ne vais pas en mettre derrière le chien. Je pense que c'est bien comme ça. Moi, je trouve que ça finit super bien la TC. Hop, je nettoie mon petit tampon. Je le rangerai après. On va coller le petit chien qui est ici. J'aurais pu le mettre en 3. Ouais, non. J'aurais pu le mettre en 3D, mais non. Une idée comme ça qui me passe. Hop. On met de la colasse partout, n'est-ce pas, ma petite Sylvie? C'est son terme, ça, ma Sylvie. De la colasse. Hop, et on va essayer d'être un peu près droit. Pas obligé, mais bon, j'ai envie d'être à peu près droit. Voilà. Un tout petit peu décalé, j'aime bien, ça me plaît. C'est pas centré, c'est. Voilà. C'est moi, quoi. Et voilà, ben, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini mon ATC. Oh, des petits cristal drop. Ouais, allez, on va mettre un petit peu de. Je vais prendre ceux-là, les roses métalliques là. Ouais, j'ai envie. J'ai envie, j'ai envie. Donc, je vais en mettre un petit ici. Hop. Un petit par là. Hop. Et un petit par ici. Voilà. Juste trois petits cristal drop. Question de finir. Voilà, de fignoler. Ben moi, je l'aime beaucoup, ma petite ATC. Voilà, j'espère vraiment que j'aurai été dans le thème. J'espère vraiment qu'elle plaira à Sylvie. Bon, de toute façon, il y a intérêt parce que de toute façon, elle va atterrir chez toi, ma Sylvie. Bah oui, je vais te l'envoyer. C'est un défi, on n'est pas obligé de te les envoyer. Mais là, c'est sur les 10 ans de ta pupus. Donc, c'est normal pour moi, c'est normal que tu la reçoives. Donc, je vais te l'envoyer avec un grand plaisir. Voilà. Bon, mais j'espère que ces 22 minutes, oulala, auront été sympathiques en ma compagnie. Désolée pour la longueur de cette vidéo, encore une fois. Surtout que j'avais préparé à l'avance, hein. Moi, j'ai tellement bien préparé qu'au final, j'ai mis pause pour reprendre des choses qui n'allaient pas. Tiens, ben, pour le coup, je te mettrai aussi cela. Voilà. Puis au pire, tu auras aussi de quoi marquer Bonnie sur une créa. Voilà. Je vais se découper. Je pourrais m'en resservir pour autre chose, mais autant que je te les mette. Bref, j'arrête mon blabla ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma petite ATC. Si mon défi vous paraît relevé ou pas. Si vous pensez que j'ai relevé le défi ou pas. Voilà. J'arrête mon blabla. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.